magia e alegria. Só de pensar, papo pode ser minha. É magia, é alegria. Te adoro aqui, que a flava boa. Mantenha teu panabo. Te amo. Mantenha teu panabo. Que fazer feliz. Mantenha teu panabo. Te amo. Mantenha teu panabo. Que fazer feliz. Mantenha teu panabo. Que fazer feliz. Mantenha teu panabo. Que fazer feliz.
Et c'est grâce à la délégation que m'accorde le maire Sébastien Roy que je peux aujourd'hui procéder à la cérémonie. Je vais commencer dans un premier temps par lire les articles du Code civil et c'est pour ça que je vous demande de rester debout. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1, celui-ci est plus récent, il a trait aux enfants. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà, vous savez l'essentiel du code civil sur le mariage. Maintenant, Antonio de Brito Lopez, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Natalina de Jesus Montero Varela, ici présente? Oui. Vous avez entendu ou pas? Oui. Ah. Madame Natalina de Jesus Montero Varela, consentez-vous à prendre pour époux M. Edmilson Antonio de Brito Lopez, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Dans le deuxième temps, on va lire l'acte officiel. Ceux qui ont des chaises peuvent s'asseoir. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'y avait pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre se vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Carlos Ramos Lopez, de Abdullah Borel Gosseis, pardon si j'écorche un petit moment, de Laura Laloé et de Essi Oka-Kouassi, témoin majeur. Oui. Lecture prête et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous M. Georges Lorenzelli, adjoint, officier de l'État civil par délégation du maire de Montpellier. Thank you.
pas pu venir pour diverses raisons, vous souhaite le plus heureux possible. Et vous mesurerez au fur et à mesure votre amour, le respect mutuel que vous avez l'un vers l'autre et la tolérance. Comme vous l'avez compris à la lecture du Code civil, vos droits et vos devoirs sont les mêmes. Droits et devoirs pour l'éducation des enfants, droits et devoirs pour les charges du ménage. Mais il est essentiel d'avoir des objectifs à remplir en commun. Vous avez déjà commencé, et vous essayerez d'assembler ensemble, comme disait Saint-Exupéry, l'amour ce n'est pas simplement se regarder les yeux dans les yeux, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors avec tous nos voeux de bonheur, on vous souhaite de regarder longtemps ensemble dans la même direction. C'est très beau.